Tac. C'est pas bon du tout ça alors. Pas du tout celle-là que je voulais faire. Vas-y, vas-y. En fait, ça m'a fait ça. Oh, tu l'as éteint, son téléphone. Pourquoi c'est que zéro? C'est que des zéros. Ouais, tu m'as. Tu fais gaffe parce que tu peux lui verrouiller son téléphone. Je sais, c'est quoi? Non. Non, c'est... Y'a pas de rouillé. Moi, oui, papa. Tu me saoules, sérieusement. Hello spectateur. Salut à toi, Naruto du 92. Je suis en train de faire du montage pour ma chaîne de cuisine. Si vous avez envie de suivre un petit peu. Bon, forcément, il faut récupérer les vidéos d'abord. Alors, on va aller chercher les recettes. Alors, mon livre de recettes. Sympa de me suivre. Alors, celui qu'on va faire,
Cette recette, c'est celle-là. Alors, c'est le poulet teriyaki. Ok, là j'ai tout. Ok. Que ça finisse de copier. Hop. Ça, c'est pour après. On va le mettre sur l'autre écran. Tac, ça, j'en ai plus besoin. Excusez-moi, il y a le petit temps de transfert. Non, t'as quel âge, Naruto du 92? Ok, non, et tu dois être jeune, je pense. Petit logiciel de montage, un peu de musique. Qu'est-ce que j'ai glandé? On va pas regarder où je clique là. Ouais, c'est bon, c'était fini. Ça, c'est celle-là. Elle est où l'autre vidéo? Il m'en manque une. Tac, allez, on va la récupérer. B. Ok. Ok, ben j'essaye de suivre en même temps les commentaires. Hein. Je promets rien. Je suis quand même concentré sur ce que je suis en train de faire. Tac, tac, tac. Alors, c'est ces vidéos-là que je voulais. Hop. Hop. Je vais me renommer le répertoire après. Hop, la copie est finie. On va renommer le répertoire tout de suite. Ok. Hop. Hop. On balance ça là-dedans. T'as déjà vu un logiciel de montage ou pas du tout? Tac. Alors, bing, bing, bing. J'ai besoin de quoi? Les vidéos. Voilà. Tac. Hop. Ok. Ça, on va utiliser le petit pad là, comme ça. Et ici, en fait, ça permet d'avoir des raccourcis. Et de maîtriser la timeline. Tac. On enlève le son d'origine de la vidéo. Parce que j'aime pas avoir des bruits parasites sur ma vidéo. Donc ça, c'est pas de mon bon ordre. Plaque. Tac, 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 tac. Hop, ça, ça dé... J'en ai pris trop. Hop, ça, c'est plutôt par là. Hop. Ça, c'est par là. Ça, c'est par là. On claque les petites photos à la fin. Hop. Allez. C'est parti. On a ça. Ok. Hop. Hop, on va s'arrêter là. Avant, c'est pas intéressant. Tac. Ok. Ça, c'est déjà fait. C'est déjà cuit. Ouais, donc ça.
on va aller le remettre ici. Voilà. Je sais pas pourquoi il veut pas raccorder la timeline, ça doit être la musique qui est trop longue. Ah, j'ai coupé ça. Hop. Allez, c'est parti. 3 minutes de vidéo, je pense que ça va finir à 1 ou 2 minutes, ça. Ok, allez. On va envoyer la recette. Alors, hop, 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 voilà, tac, hop, 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 excusez-moi, voilà, hop. Tac. Allez, doupe doupe. Alors, on va écarter ça. Là, il y a des effets dessus, j'en ai pas besoin. Tac, tac. Alors. Là, c'est trop petit. Hop. Ok. Voilà. Tac. Gingembre râpé. Hop, ça. On va l'enlever. Ça va, Naruto, ça te plaît? Le live? Le poulet, ça, voilà. Passer à la ligne. Tac, tac, faut que ça fasse un peu plus sympa. Ah. Hop. Hop. On va augmenter la police. Un truc un peu sympa. Allez, ça c'est bon. Hop, on reprend. Hop, ici j'ai ça. Non, ça c'est bon. Ok. 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 Allez. Tac. Tac. N'hésite pas à lâcher des commentaires hein, si tu veux. J'essaie de les regarder. Allez, poulet teriyaki, hop, recette. Ça pue ça, j'aime pas, ça donne quoi? Tac.
Hop là, allez, c'est parti. Alors, excentré, tac, hop là, hop. Allez. Va falloir trouver la bonne musique après. Verrouiller la piste musicale, on va verrouiller l'autre. Hop, tiens, si vous voulez voir comment ça se passe entre la timeline et la. Hop. Là, je coupe. Hop. Oui, mais je lui dirai tout à l'heure quand il sort du foot. Ah, on avait un deuxième, mais il est parti. Allez, on vire ce morceau-là, il sert à rien. Tac, on va déverrouiller la piste. Hop. Tac. Verrouille. Avec ça sert à rien. Ok, je coupe. Hop, je coupe. Je nettoie. Allez, c'est parti. Hop, je coupe. C'est reparti. Hop, je coupe. C'est reparti. Hop, je coupe. Hop. Je coupe. Ça sert à rien. On va vérifier. On revient en arrière. Hop là. Et c'est reparti. Nickel. Hop. C'est une recette vraiment super simple, ça. C'est ultra facile à faire. Il y a juste à mettre au four. Hop, tac, hop, ça va être la partie la plus longue de la vidéo, je crois. Déposer le. Hop, hop, ça sert à rien. Bah, c'est gentil de rester avec moi. Hop, je coupe. C'est reparti. Hop, je coupe. Ça sert à rien. C'est que du hop. C'est reparti. Hop, je coupe. C'est reparti. Hop, je coupe. On vérifie ce qu'il y a là-dedans. Il y a vraiment que des gestes.
qui servent à rien. Hop, hop, je viens. Gingembre, hop. Hop, là, tac, hop, erreur, je coupe. Je coupe, ça, je viens. Attention, la partie la plus importante de la recette. Bonjour, deuxième follower. Je suis en train de faire le montage pour mes recettes de cuisine pour ma chaîne YouTube. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire. Hop, là, c'est bon. Et là, on perd rien. Ah, on a perdu notre deuxième follower. Dommage. Alors, ça, je viens. Hop, c'est reparti. Eh ben, je crois qu'on n'est pas loin de la vraie vidéo. Maintenant, il va falloir trouver un son. Allez, petit contrôle. Et après, il va falloir faire la voix off. Malheureusement, quand je vais faire la voix off, je pourrais pas laisser la musique. Hello, eh non, on avait un deuxième meilleur parti. Ouais, c'est vraiment la partie la plus chiante et la plus longue. Ça vaut bien un short sur YouTube. C'est avec ça que je vais faire mes 4000 heures de vue. Hein. Hello! Je suis en train de faire le montage de ma vidéo pour ma chaîne YouTube. N'hésite pas à rester, tu veux voir comment ça se passe. Ah, la minutieuse créa! Oui, ça va! Tu entends ma voix pour une fois. Ah, j'ai toujours pas réussi à décider ma femme, hein, je suis désolé. Hop. Tac là. Excuse-moi, faut que je continue. Merci. Hop. Alors là, il faut que j'ajoute un truc. Comment je vais mettre ça? Pac, pac, pac. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? On va mettre ça. Hop, fouche de. Hop. Je regarde pas forcément les commentaires en même temps. Non, je m'inquiète pas, mais moi, il me plaît vraiment et ma femme est pas fan, en fait. Donc, il faut que je réussisse à la convaincre ou je trouve un endroit où je puisse le mettre pour moi. Alors, tac, ça me plaît pas du tout. Ça va pas. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre pour mettre que je vais mettre 4 heures en deux cuissons. Ben c'était pas mal ça. Ouais, après, le but c'est de tenir dans certains formats. C'est pas le plus gros montage là. C'est une recette vraiment très simple. Bah, tu vas l'avoir publiée dans pas longtemps. Ouais, mais tu fais aussi un sacré boulot de peinture, hein. Je suis pas capable de le faire, entre autres. Donc, hop. Après, c'est mon truc à moi, ça. 4 heures de cuisson. À 140. Ouais, ça, je le dirai dans l'audio. 4 heures de cuisson, c'est pas mal comme ça, là. Ça tient pas mal. Faut peut-être que j'écarte un peu ça. Voilà. Ça fasse plus propre. Hop. Tac. Non, ça finira pas là, t'inquiète pas. Je voulais le mettre dans une bibliothèque. Mais on me dit que ça fait pas assez bibliothèque. Moi, je trouve que ça va bien. Mais bon. Tac, je vais décaler.
Parce qu'en fait, là, il y a la température. Ça, on va le mettre par là. Je te conseille cette recette d'ailleurs de poulet teriyaki, c'est une tuerie. Je l'ai faite avant-hier, je fais le montage un peu en retard parce qu'il faut bien que je travaille des fois. Je travaille à mi-temps donc comme j'ai une société à côté. Allez. Tac, 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 on va regarder ce que ça donne. Hop, il faut retrouver du son aussi qui va bien là-dedans. Hop, allez, c'est parti. Ouais, sans problème. Vraiment très très simple cette recette. Suffit de mettre les ingrédients dans la cocotte ou dans un slow cooker et après de mettre au four à 140, préchauffé à 140 degrés pendant 3-4 heures, vérifier que ça brûle pas, rajouter un peu d'eau si besoin et c'est une tuerie. Après là je suis pas très loin de la publier, hein. Il me reste juste le son à faire et ce sera bon. Je pense que c'est pas mal là. Je vais passer à l'enregistrement audio. C'est sûr que c'est pas les logiciels de montage de TikTok là. Hop, ça c'est bon. Il me faut le call to action. Allez, média, importer, click to action, base vidéo cuisine. Touk, 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 il est là. Hop, on va le mettre où? On va le mettre là où il y a une petite longueur pendant que je mets le miel. Je crois que c'est par là. Yep, hop, hop, allez, chromaquet. On va rendre le fond transparent. Hop, voilà. On va le mettre ici. Le call to action. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ah, on a perdu Naruto. Eh ben, j'ai perdu tout le monde. Allez, go! Allez, on va passer à l'enregistrement audio. Hop. Tac. Alors, c'est parti, c'est parti. Ah, Naruto est revenu. Ah, cool. C'est sympa ça. Alors, on va passer à l'enregistrement audio. Hop, on sort le micro. Allez, c'est parti. Le micro, 1, 2, 1, 2. Faut que je passe au casque. Hop. Hop. Ah, le casque n'est pas connecté. Il me faut la sortie ici. Hop. Et que je désactive la sortie. Là. Tac. La musique me plaît pas trop. La musique, ah, c'est super sympa Naruto de partager la vidéo. C'est super sympa. Hop, de partager le live. Alors, on y va, on y va, on y va. Je cherche mon casque Bluetooth parce qu'il n'est pas connecté. Ah, ça y est. Il l'a retrouvé. Hop. Hop. Je teste. Je l'ai pas dans le casque. Il faut que je le mette là sur la table. Hop. Et voilà. Bon, là, je suis désolé, vous avez plus le son. Moi, j'ai le son qui sort, mais par contre, je vais faire mon enregistrement.
Hop, allez, c'est parti. Tac, là je l'arrête. Je vais aller fermer la porte pour le chien. Jacques-Adi, tais-toi. Hello, faut chauffer un peu la voix. Allez, on va essayer de trouver un bon rythme. J'espère que ce sera en une seule prise. Tac, allez, ça je l'agrandis. Hop, je le remets au début. Hop. Donc en fait, je passe par une table de mixage. Je passe par une table de mixage qui me permet de modifier légèrement ma voix, de couper les sons. Ça veut dire que dès que j'arrête de parler, là, on voit la barre, là, hop, dès que j'arrête de parler, tout de suite, ça coupe les sons. Et même s'il y a des petits bruits ambiants, eh ben, ils passent pas dans le micro. Donc vous l'entendez, mon claquement de doigts. Mais sur mon enregistrement audio, il n'y sera pas. Bon, allez. Tac. Salut Dead Chris. Ouais, trois spectateurs. Merci Naruto. Il y en a un qui est reparti. Allez, c'est parti. On va faire l'enregistrement. On essaye de trouver une belle voix. C'est pas la meilleure que j'ai faite, celle-là. Mais on y va. Allez. Bonjour sur Cuisine Family. Aujourd'hui, on va faire un poulet teriyaki. On part en Asie. Alors, pour faire votre poulet, voilà, on va faire une petite pause, on va revenir. Tac, il va falloir que j'augmente la durée de ça. Pour faire votre poulet teriyaki, il vous faudra un gros poulet fermier, ou alors des aiguillettes de poulet, ou des blancs de poulet, un gros oignon, une gousse d'ail, une cuillère à café de gingembre râpé, 125 grammes de sucre, à la petite erreur, 125 grammes de sauce soja, 80 grammes de miel, 80 grammes de miel, 80 g de vinaigre de riz, 50 g de saké, et ça c'est optionnel. Des graines de sésame ou des graines de pavot à mettre tout à la fin. Allez, on y va. Allez, on lance la vidéo. Allez, donc il n'y a pas plus simple que cette recette. Vous prenez une cocotte et vous mettez les ingrédients à l'intérieur. Donc le poulet, ici j'ai fait une recette pour deux. L'oignon. Le gingembre, le miel. On n'oublie pas, si vous aimez les recettes, cliquez et abonnez-vous. Le vinaigre de riz, la sauce soja et l'ail. Allez, on mélange tout ça et on fait en sorte que la marinade soit bien partout. Vous gardez votre pavot, vos graines de sésame, vous les faites légèrement rôtir dans une poêle et on les ajoutera à la fin sur le plat. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Une fois que votre marinade est bien prête et que tout est bien enrobé, vous mettez au four préchauffé à 140 degrés pour 4 heures de cuisson. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau à hauteur, histoire que ce soit bien. Allez, dégustez! Bon appétit sur Cuisine Family. Bon, bah voilà. Tac. Hop. On arrête l'enregistrement. Je vais le récupérer. Je repasse en audio. J'enlève le casque. Hop. Hop. Et puis on va voir ce que ça donne. Tac. Alors. Alors, voice me to. A priori, ça te plaît bien, Naruto, puisque tu restes. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on est dessus là, mais ça doit bien faire une bonne demi-heure. Alors, qui est avec nous? Sivar62. Enchanté, Sivar. Hop. Allez. Donc là, forcément, l'audio que je viens d'enregistrer avec toutes les erreurs que j'ai faites et tout, il est beaucoup, beaucoup trop long. Donc maintenant, le boulot, c'est de recaler les deux. Hop, déjà, il faut caler le fond sonore plus bas. On va mettre C'est pas la ici. meilleure que j'ai faite, celle-là, mais Voilà.
On y va. Allez. Bonjour, sur Cuisine Famille. Tac, je vais verrouiller les pistes qu'il y a au-dessus. Hop. Je vais monter un peu le son parce que c'est un peu faiblard là. Je suis en piste A1. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un poulet teriyaki. On part en Asie. Allez, on va retrouver le début. Hop, c'est là. Hop, on coupe, on enlève, on relance et on regarde. Aujourd'hui, on va faire un poulet teriyaki. On part en Asie. Alors, pour faire votre poulet, on va faire une petite pause. On va venir. Tac, il va falloir que j'augmente la durée de ça. Pour faire votre poulet teriyaki, il vous faudra un gros poulet fermier. Un gros poulet fermier. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaye de regarder le téléphone de temps en temps. À votre poulet teriyaki, il vous faudra. Hop, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, comment je sais que c'est par là. En fait, ici j'ai mon son. Tac. Hop. Donc ici je commence sans doute un mot. Pour faire votre poulet teriyaki. Voilà, donc ça veut dire faut que je me mette là, je vais vérifier ce que j'ai dit avant. Voilà, donc ça c'est bon. Hop. Je remonte. Je regarde ici. Alors, pour faire votre poulet. Donc ça c'était l'erreur. Alors, pour faire votre poulet. Alors. Hop, je remonte. On va le caler un peu. Par là, ça dure combien de temps un montage d'une vidéo? Bah là, on est sur un montage d'une minute. C'est-à-dire que la vidéo, à la fin, elle fera entre une minute et deux minutes. Et je sais pas depuis combien de temps t'es avec moi, mais en fait, je venais juste de commencer. Donc, ça fait bien... il faut compter... Et encore là, moi, je connais bien mes outils, mais il faut compter bien une demi-heure pour faire une minute, quoi. Après, tout dépend des outils, là. Je sais que... Ce petit outil-là, c'est juste une tuerie, ça permet d'accélérer fortement. Après, c'est des habitudes à prendre. Pour faire votre poulet teriyaki, il vous faudra un gros poulet fermier, ou alors des aiguillettes de poulet, ou des blancs de poulet, un gros oignon, une gousse d'ail, une cuillère à café de gingembre râpé, 125 g de sucre. Hop, ça c'est de la merde, il n'y a pas de sucre dans la recette. Tac, donc là, hop, on va couper ici, le sucre il doit être par là. Hop, on relaie. 125 grammes de sucre. Ouais, ça c'est bon, j'enlève. C'était pas le bon que j'ai enlevé. J'ai recoupé. Hop, c'est ça que j'enlève. Ici, il y avait un gros blanc. Voilà. Hop. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Quoi, il y avait un autre? Non, non, c'est moi qui... donc, là, on va cutter. On va recutter ici, parce que les hésitations, ça sert à rien. Je prends ça, je le détruis, hop, là il y avait une autre hésitation, donc hop, ici je coupe. Après ce qu'il faut en fait quand on fait les montages, c'est que les prises audio, etc., ce soit bon, essayer que ce soit pas trop mal du premier coup et pas hésiter à refaire et à refaire des coupes, parce que faire un enregistrement complet avec à peu près le même ton et tout, ou faire des reprises dans le ton, c'est juste une catastrophe. J'ai fait ça par le passé et on entend très bien que c'est pas le même jour. En tous les cas, je suis peut-être pointilleux, mais moi j'aime pas. Pour votre poulet teriyaki, il vous faudra un gros poulet fermier, ou alors des aiguillettes de poulet ou des blancs de poulet, un gros oignon, une gousse d'ail, une cuillère à café de gingembre râpé, 125 g de sauce soja, 80 g de miel. 80 g de miel. Donc là on y va. Après, de toute façon, c'était plus fluide. J'étais plus concentré, en plus c'est la première fois que je fais un live pendant que je fais un montage. Donc, ça sert à rien. Hop. 125 g de sauce soja, 80 g de miel. Hop, là, l'hésitation elle est là. Je vous la montre en plus grosse en fait. L'hésitation elle est ici là. Et hop, il suffit que je vienne là. Hop, j'enlève ce morceau-là, donc je vais couper là, parce que ça a besoin d'un peu d'être un peu plus vif. Hop, et j'envoie. 125 g de sauce soja, 80 g de miel,
80 grammes de vinaigre de riz. Hop, là, je l'avais fait deux fois parce que je chantais pas la première. Hop, laquelle est la mieux? 80 grammes de miel. 80 grammes de miel. Non, 4... j'aime pas la deuxième. Hop. Hop. 80 grammes de vinaigre de riz, 50 grammes de saké, et ça c'est optionnel. Des graines de sésame ou des graines de pavot à mettre tout à la fin. Allez, on y va. Ah, la recette, elle est quasiment finie là, c'est vraiment la merde. Il va falloir vraiment que j'augmente le temps. Allez, donc il n'y a pas plus simple que cette recette. Donc, vous ce prenez que je vais une faire... cocotte et vous mettez les ingrédients. Hop. Ce que je vais faire, c'est que comme il y a beaucoup d'ingrédients mais qu'il n'y a pas beaucoup d'action, hop, je vais faire un truc que je fais de temps en temps. Parce que mais mon hop là il doit être par là. Allez, donc il n'y a pas plus simple que ça. Ouais, donc là on est là. Donc ça c'est le début réellement de l'action. Et il faut que ça colle avec le début de l'action qui est là. Donc on va ramener du rythme et puis faut que je fasse gaffe, j'ai activé ça. Hop. Ça sert à rien. C'est du vent. Hop. Bon. Il n'y a qu'à toi que ça plaît pourtant, Naruto, pour l'instant, parce que la deuxième personne est partie aussi. Tac. Allez. Tes âmes ou des graines de pavot à mettre tout à la fin. Allez, on y va. Allez, on lance la vidéo. Je peux le virer. Allez, donc il n'y a pas plus simple que cette recette. Vous prenez une cocotte et vous mettez les ingrédients à l'intérieur. Donc le poulet, ici j'ai fait une recette pour deux. L'oignon, le gingembre, le miel. Donc là, on n'oublie pas. Ce que je vais faire, c'est que j'ai fait deux erreurs. Non, on va regarder d'abord la vidéo là. Hop. Ici, poulet, un gros. Ça, je vais le décaler par là, qu'on ait un peu plus de visibilité. Une gousse d'ail et des cuits. Là, pareil. Comme ça, je laisse les ingrédients, ça laisse le temps aux gens de lire. Pac, je mets ça là. Voilà, ça fait propre. Ici, pareil, je décale le vidéo par là. Ah, je crois que j'ai trop décalé à gauche. On y va. Allez, donc il n'y a pas plus simple que cette recette. Hop, non, c'était propre, ça va. Hop, donc je la claque ici. On va vérifier. Donc il n'y a pas plus simple que cette recette. Vous prenez une cocotte et vous mettez les ingrédients à l'intérieur. Donc le poulet, ici j'ai fait une recette pour deux. L'oignon. On va accélérer un peu encore là. On va enlever ce morceau là. Parce que le vent, ça rapporte rien. On va verrouiller ça. Ça. Là, enfin, je trouve aussi une musique qui envoie un peu plus parce que là. Et vous mettez les ingrédients à l'intérieur. Donc le poulet, ici j'ai fait une recette pour deux. L'oignon, le gingembre. Ok, donc ça c'est trop lent. On va faire en sorte de rattraper. On va pas couper tout le vent, mais on va en enlever une bonne partie. Comme ça. Voilà. Faut qu'on garde le même rythme avec ce qu'il y a avant. Hop. L'oignon, le gingembre, le miel. Hop, donc ça sert à rien, c'est pareil. Hop, parce que là j'étais vraiment calé avec la vidéo. Voilà, là je pense que je vais rattraper. Il faut que je réussisse à rattraper sur le vinaigre en fait. Pour que ce soit propre. N'oubliez pas, si vous aimez les recettes, cliquez. Et abonnez-vous. Donc le abonné, il est là. Il est là. Donc il va falloir que je le bouge. La sauce. Hop. Call to action ici. Voyons voir ce que ça donne. On n'oublie pas. Si vous aimez les recettes, cliquez et abonnez-vous. Voilà. Le vinaigre de riz. Ah, le vinaigre, il est là. Il est vachement loin.
Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est que le call to action, il est là. Hop, on va couper ici. On va laisser le call to action ici. Hop, ça, je vais le descendre sur une autre piste en attendant, parce que ça va avec ça, donc c'est bien. Ça, je le déglingue, j'en ai pas besoin. Le vinaigre de riz, il est avant. Ici, on a pas. Le miel. Voilà. Et donc, on va rattraper le vinaigre ici. En plus, là, il y avait un petit bruit. J'ai dû toucher le micro. La bonnette, en tous les cas. Hop. Ok. Donc, ça, c'est bon. Je reviens là. Hop. Et je me suis rendu compte que j'avais fait une boulette aussi. Voilà. Le call to action, il doit pas être là. Il doit être là. Hop, ici, je récupère ça. Voilà. Je l'enquille ici. Voilà. Et c'est reparti. Le miel, le vinaigre de riz. Et on a N'oubliez pas, rattrapé. si vous aimez les recettes, cliquez et abonnez-vous. La sauce soja. Hop, on va la remettre là. On va voir si le call to action, on ne le déplace pas. Tac. Après, si je mets le soja sur le soja, normalement, on doit être calé. Et je peux modifier le call to action là, ce qui est vachement long. Hop, ça. Tac, ça je l'enlève. Hop. Je vais verrouiller ça. Hop. Ici, ça sert à rien. C'est encore du vent. N'oublie pas. Le on n'oublie pas, je sais pas si je vais le mettre. Alors, d'après toi, je le mets ou je le mets pas, Naruto, le. Le vinaigre de riz. N'oublie pas. Si vous aimez les recettes, cliquez et abonnez-vous. La sauce soja. Hop, on va voir si je fais juste ça. Voilà, je pourrais pas faire ça, mais hop. Ce qui serait pas mal, c'est de. Putain, j'arrive pas à le choper, l'image est pas assez grosse. Hop. Voilà. Tac, ça, je vais le verrouiller et lui couper la chic là. Hop. Le C'est toi vinaigre de qui riz. vois, ouais. Si vous aimez les recettes, cliquez et abonnez-vous. La sauce soja. Ouais, c'est pas mal. C'est mieux sans. Hop. La sauce soja. Hop, il y a encore du vent là. Hop, pardon. J'ai tapé dans le pied. Là, je suis verrouillé, je suis verrouillé. Ok, hop. Hop. Peut-être un peu trop coupé là. Et l'ail. Allez, on mélange tout ça et on fait en sorte que la marinade sur. Alors là, je m'étais rendu compte pendant que je le faisais, mais j'ai inversé pour pouvoir le faire. Ça, je vais le décaler. Il y avait eu la boulette. Hop. Et il faut que je retrouve. Je crois que c'était par là. Ça, je vais le dégommer. J'en ai pas besoin. Ah, CTRL Z, parce que sinon, ça va me foirer tout. Hop, le gingembre, il est où? Il est où le gingembre? Le vinaigre de riz, si vous aimez les recettes, cliquez. Hop. L'oignon, le gingembre, le miel. Hop, le gingembre, il est là. Donc le gingembre, je le prends et je l'emmène ici. Voilà. Et l'ail, je l'emmène ici. Et puis ça va me permettre de regagner un peu de. On va voir. Et l'ail, le miel, le vinaigre de riz. Si vous aimez les recettes, cliquez et abonnez-vous. La sauce soja, le gingembre. Allez, on mélange tout ça. Ah, c'est pas mal. Faut que je redécale ça. Et on fait en sorte que la marinade soit bien partout.
Vous gardez votre pavot, vos graines de sésame, vous les faites légèrement rôtir dans une poêle et on les ajoutera à la fin sur le plat. Ah, le bon terme, c'est torréfier. C'est extrêmement facile. Une fois que votre... Hop. Alors, ça c'est... Je préfère faire les montages le jour où je fais les recettes, c'est vachement plus fluide. Hop. Une fois que votre... Hop. Ça, je déglingue. Une fois que votre marinade est bien prête et que tout est bien enrobé, vous mettez au four préchauffé à 140 degrés pour 4 heures de cuisson. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau à hauteur, histoire que ce soit bien. Allez, dégustez. Bon appétit sur Cuisine Family. Bon, bah voilà. Allez. Hop, résultat, c'est trop court le son là. Alors, tac. Tac. Hop. Allez, qu'est-ce que j'ai comme problème là? J'ai vu que j'avais un trou dans la vidéo là. Il y a un petit trou ici là. Hop, voilà. Mettez un petit peu d'eau à hauteur, histoire que ce soit bien. Allez, dégustez. Bon appétit sur Cuisine Family. On va décaler ça. J'aime pas quand il n'y a pas de son à la fin. Hop. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau à hauteur, histoire que ce soit bien. Allez. Faut que je trouve le 4h et je vais caler le 4h. Il doit être par là. Et que tout est bien enrobé, vous mettez au four préchauffé à 140 degrés pour 4 heures de... Hop. Vous mettez au four préchauffé à 140 degrés pour 4 heures de cuisson. Tac. Hop. Là, c'est bien. Comment je fais? Je le décale ou je l'intercale? On va le décaler. Tac. Il est là. Hop. J'en ai un petit peu trop pris. Hop. On va le décaler comme ça. Ça devrait être pas mal. Ça fait un gros trou. Peut-être que celui-là, on peut le décaler aussi. Facile. Une fois que votre marinade est bien prête. Ouais, ça, on peut le décaler un peu. Comme ça, ça laisse du temps. C'est extrêmement facile. Une fois que votre marinade est bien prête et que tout est bien enrobé, vous mettez au four préchauffé à 140 degrés pour 4 heures de cuisson. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau à hauteur, histoire que ce soit bien. Allez, dégustez. Bon appétit sur Cuisine Family. Nickel. Voilà, le collage pour la fin, c'est bien. Et avec le call to action de YouTube, ça va être parfait. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Une fois que votre marinade est bien prête et que tout est bien enrobé, vous mettez au four préchauffé à 140 degrés pour 4 heures de cuisson. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau à hauteur, histoire que ce soit bien. Allez, dégustez. Bon appétit sur Cuisine Family. Hop, je vais revérifier juste le démarrage. Il faut que je trouve une zig pas mal. Une cuillère à café de gingembre râpé, 125 g de sauce soja. Tac, tac. Alors, aujourd'hui, on va faire un poulet teriyaki. On part en Asie. Pour faire votre poulet teriyaki, il vous faudra un gros poulet fermier, ou alors des aiguillettes de poulet, ou des blancs de poulet, un gros oignon, une gousse d'ail, une cuillère à café de gingembre râpé, 125 g de sauce soja, 80 g de miel, 80 g de vinaigre de riz, 50 g de saké, et ça c'est optionnel. Des graines de sésame, ou des graines de pavot, à mettre tout à la fin. Allez, on y va. Allez, donc il n'y a pas plus simple voilà, que ça. Il y a bug là. J'ai pas coupé au bon endroit. Hop là. On y va. Allez, donc il n'y a pas plus simple que cette recette. Allez, on y va. Allez, donc il n'y a pas plus simple que cette. Hop, ça c'est en trop. Faut toujours repasser. Hein. On n'est jamais à l'abri d'oublier un truc. Donc je le décale ici, je verrouille la piste, sinon il va tout me décaler le montage. Hop là, voilà, et comme ça c'est tout bon.
Ah, deux spectateurs, c'est sympa ça. Notre deuxième spectatrice. Je sais pas comment on dit. Raja ou Rachel Eddy. Hop, eh ben, on est pas mal. On va revérifier. J'ai cru entendre un truc qui me plaisait pas aussi au démarrage. Par ici, je crois. 80 grammes de miel, 80 grammes de vinaigre de riz, 50 grammes de saké, et ça c'est optionnel. Non, c'est avant. Hop. Aujourd'hui, on va faire un poulet teriyaki. On part en Asie. Pour faire votre poulet teriyaki, il vous faudra un gros poulet fermier, ou alors des aiguillettes de poulet, ou des blancs de poulet, un gros oignon, une gousse d'ail, une cuillère à café de gingembre râpé, 125 grammes de... Ah, c'est là. Ah, y a un truc qui va pas. 120. Ouais, c'est ça. C'est quoi qui... 120. Ouais, c'est là. Tac, c'est ça. Ouais, ça vous paraît peut-être pas grand-chose, mais pour moi c'est important. J'essaye de faire des trucs propres. Hop, je dégomme. Et on reprend. 125 grammes. Ah, il y a encore un petit bout là. Je devais être au milieu d'une phrase quand j'ai fait la coupe. Je le fais comment? Je le fais comme ça ou je me mets une image clé et je monte le son. Non, je vais couper. On va couper net. Tac. Tac. Allez, et voilà. Et on écoute le résultat. 125 grammes de sauce soja, C'est mieux. 80 grammes de miel, 80 grammes de vinaigre de riz, 50 grammes de saké, et ça c'est optionnel. Des graines de sésame ou des graines de pavot à mettre tout à la fin. Allez, on y va. Donc il n'y a pas plus simple que cette recette. Vous prenez une cocotte et vous mettez les ingrédients à l'intérieur. Donc le poulet, ici j'ai fait une recette pour deux. L'oignon et l'ail. Le miel, le vinaigre de riz. Si vous aimez les recettes, cliquez. Et abonnez-vous. La Le sauce soja. gingembre. Et ouais. Et ça doit être là normalement. On va le retailler un peu parce que ça sert à rien. Hop, hop, là il rentre. On va le et on va le mettre là. Je vais vérifier que ce soit bon. Le gingembre, allez. On mélange tout ça et on fait en sorte que la marinade soit bien partout. Hop, on peut même donc faire un petit truc là. On peut décaler ça légèrement. Voilà. Et mettre ça ici. Encore un peu le décaler. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Allez. La sauce soja, le gingembre. Nickel. Allez, on mélange tout ça et on fait en sorte que la marinade soit bien partout. Vous gardez votre pavot, vos graines de sésame, vous les faites légèrement rôtir dans une poêle et on les ajoutera à la fin sur le plat. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Une fois que votre marinade est bien prête et que tout est bien enrobé, vous mettez au four préchauffé à 140 degrés pour 4 heures de cuisson. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau à hauteur, histoire que ce soit bien. Allez, dégustez. Bon appétit sur Cuisine Family. Ok. Allez, vous avez des idées de musique là? Dites-moi dans les commentaires. On va voir. Là, j'étais sur un Alan Walker. Après, le problème, c'est que c'est sur YouTube, donc c'est pas comme TikTok. On peut pas mettre tout ce qu'on veut. Il faut trouver des sons qui soient en utilisation sans licence. Alors, hop, voyons voir qu'est-ce que j'ai en audio. Qu'est-ce que j'ai en audio ici? En fait, j'ai pas mal d'audio libre de droit.
Aujourd'hui, on va faire un poulet teriyaki. On part en Asie. J'aime bien celle-là. Pour faire votre poulet teriyaki, il vous faudra un gros poulet fermier, ou alors des aiguillettes de poulet, ou des blancs de poulet, un gros oignon, une gousse d'ail, une cuillère à café de gingembre râpé, 125 g de sauce soja, 80 g de miel, 80 g de vinaigre de riz, 50 g de saké, et ça c'est optionnel. Des graines de sésame, ou des graines de pavot, à mettre tout à la fin. Allez, on y va. Donc il n'y a pas plus simple que ça. Le ratio entre les sons là me plaît pas, donc on va rentrer dans la console ici. On va baisser un peu la deuxième piste, pas de beaucoup, et on va remonter un peu la piste. Voilà, 5 dB ça fait peut-être un peu beaucoup, mais on va voir ce que ça donne. Ça donnera un peu de peps. Aujourd'hui on va faire un poulet teriyaki, on part en Asie. Pour faire votre poulet teriyaki, il vous faudra un gros poulet fermier. Ce que je pensais. 3 c'est trop. Enfin 5 c'est trop, donc je préfère réajuster un peu et mettre un peu moins que 3. On va mettre moins 1 dB, c'est déjà beaucoup. Allez. Là ça devrait envoyer. Aujourd'hui on va faire un poulet teriyaki. On part en Asie. Pour faire votre poulet teriyaki, il vous faudra un gros poulet fermier, ou alors des aiguillettes de poulet, ou des blancs de poulet, un gros oignon, une gousse d'ail, une cuillère à café de gingembre râpé, 125 g de sauce soja, 80 g de miel, 80 g de vinaigre de riz, 50 g de saké, et ça c'est optionnel. Des graines de sésame, ou des graines de pavot, à mettre tout à la fin. Allez, on y va. Donc il n'y a pas plus simple que cette recette. Vous prenez une cocotte, et vous mettez les ingrédients à l'intérieur. Donc le poulet, ici j'ai fait une recette pour deux. L'oignon et l'ail, le miel, le vinaigre de riz. Si vous aimez les recettes, cliquez et abonnez-vous. La sauce soja, le gingembre. Allez, on mélange tout ça et on fait en sorte que la marinade soit bien partout. Vous gardez votre pavot, vos graines de sésame, vous les faites légèrement rôtir dans une poêle et on les ajoutera à la fin sur le plat. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Une fois que votre marinade est bien prête et que tout est bien enrobé, vous mettez au four préchauffé à 140 degrés pour 4 heures de cuisson. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau à hauteur, histoire que ce soit bien. Allez, dégustez. Bon appétit sur Cuisine Famille. Ah, j'espère que quand même, vous irez la voir sur YouTube, même si vous l'avez vu 14 fois là. Allez la voir sur YouTube et puis je vais mettre un partiel aussi sur TikTok là. Je vais faire la publication directe. Donc je vais vous montrer mes petites astuces pour faire mes publications. Donc là je suis sur un logiciel qui est quand même super bien qui s'appelle Wondershare Filmora 9 et qui me permet d'exporter. Donc je vais sauvegarder quand même mon contenu là. Donc poulet teriyaki. Voilà, je garde tout en fait. Tous mes rushs, etc. Histoire si je veux refaire un montage ou autre. Donc ouais, Wondershare, il est top parce que là, je fais un exporté. Il est connecté en fait directement à mon compte YouTube. Et en fait, il va me pousser directement les éléments dedans. Donc là, j'ai plus qu'à revenir dans mon livre de cuisine. Je sais pas si vous connaissez Trello. C'est un bon outil aussi. Donc je vais revenir dedans. Ici, j'essaye de faire ma petite touche à moi, poulet teriyaki, et de trouver, donc ça c'est un plat, j'essaye de mettre dans le nom, le titre de la vidéo, d'être assez explicite pour que sur YouTube, les moteurs de recherche, ils puissent trouver facilement. Et en fait, en général, j'essaye de trouver un petit jeu de mots sympa, en fait, qui a rien à voir. C'est pareil, c'est pour les moteurs de recherche. Donc là, poulet teriyaki, je pourrais faire un jeu de mots sur les make-up asiatiques, par exemple. Tiens, ouais, make-up asiatique. Et en fait, je vais, c'est un peu comme les hashtags, mais au moins, il fait des recherches aussi. Make-up asiatique. Et puis, ça fait marrer mes abonnés. Hop, je viens récupérer ici la liste des ingrédients que je reviens mettre dans la description. Ici, je mets quelques hashtags vite fait, mais que je remettrai plus loin. Plat Asie, poulet. CTRL Z. Il faut que j'arrive à rechercher le poulet teriyaki. Je vais pas me prendre la tête à l'écrire.
Hop, ça m'évitera de faire des fautes d'orthographe. Voilà, là ici je peux choisir de la mettre directement en public ou pas. Et donc moi je vais la mettre en privé parce que derrière je vais préparer l'ensemble de mes communications sur Facebook, sur Instagram et sur WhatsApp. Parce que tout le monde n'a pas Facebook, tout le monde n'a pas Instagram, tout le monde n'a pas TikTok. Et donc j'ai aussi des gens qui me suivent et que j'informe par WhatsApp. Et c'est un des gros problèmes majeurs à mon avis de YouTube, c'est qu'on ne peut pas communiquer avec la communauté. J'ai 1500 abonnés sur YouTube, je connais même pas leur nom, ou si ceux qui sont en public. Et je sais pas quel est leur taux de visionnage, je sais que les standards, quoi. Enfin le global. Vous avez déjà fait des vidéos autres que sur TikTok? Ou peut-être même que vous faites pas de vidéos sur TikTok, peut-être que vous streamez seulement. Naruto, je pense que tu streames. Tu dois streamer des jeux ou des choses comme ça. Après, je sais pas, normalement il doit y avoir une option aussi pour pouvoir utiliser OBS. Parce que j'ai fait des streams sur Facebook et des lives sur YouTube. Et j'utilisais OBS et c'est quand même vachement plus pratique. Non, que sur TikTok. Ok. Ouais, OBS c'est un super logiciel pour faire du stream et de l'organisation. Mon fils a 10 ans, il attend qu'une seule chose, c'est je lui ai dit pas avant 12 ans pour pouvoir faire du stream. Et donc il est pressé d'avoir 12 ans. Et dans 20 minutes je dois aller chercher au foot. Alors voilà, là ma vidéo elle est publiée, excusez-moi c'était un peu long. En fait ce que je vais faire c'est pour TikTok je vais prendre juste le démarrage de la vidéo puisqu'on est sur une vidéo là qui fait 1 minute 25, on est limité sur TikTok, donc je vais faire un call to action sur TikTok avec un new post et en gros je vais prendre les 30 premières secondes ou quelque chose comme ça jusqu'au call to action ici ou peut-être jusqu'à la liste des ingrédients par là. Voilà, donc ça va nous faire un peu moins de 30 secondes. Je vais couper ici et je vais faire un call to action en disant si vous voulez voir la suite de la recette. Allez, donc ça c'est bon, j'ai balancé sur mon compte. Maintenant, on y va. On va aller récupérer dans YouTube Studio. Voilà, voyez là, j'ai 1513 abonnés sur YouTube. Tac. Allez, je vais enlever mon micro, il me gêne là. Hop là. Voilà. Milala. Je vais aller voir dans mon contenu. Et là, en fait, j'ai mon poulet teriyaki qui est arrivé, qui est en privé. Et donc maintenant, je vais choisir ma page de présentation dans YouTube. Voilà, on va faire le call to action en écran de fin de YouTube. Donc là, moi, le call to action, en fait, je lance relativement tôt. Donc c'est pour les gens qui vont pas à la fin de la vidéo parce que ça leur suffit. En fait, là, ils ont déjà la fenêtre pour aller soit s'abonner. Et je pense que là, je vais activer, vu le format de la vidéo, là. Je vais voir avec là si ça passe. Ouais, c'est pas mal. Mais je vais le mettre de l'autre côté dans ces cas-là. Ouais, je vais le mettre là. Hop. Je vais prendre ça en fait, je vais le mettre là et je vais l'agrandir. Et ça c'est le call to action pour aller voir une autre de mes vidéos. Et donc c'est une autre vidéo de ma chaîne qui est proposée à la personne. Donc ça c'est spécifique à YouTube. Donc je l'ajoute directement dedans. Ah ça m'ennuie ça, c'est pas propre là. Hop là, il faudrait que je le démarre ici. Allez, tac, là on est bon, là on est bon. Le call to action, il est bon. Maintenant, il faut mettre les hashtags. Parce que sans hashtag, eh ben, hop, la playlist, c'est les plats. Ok.
Et là, ici, je peux rentrer des hashtags. Et pour les hashtags, j'ai un super site. Hop, je vais récupérer. Hop, hop. Ici, je mets poulet teriyaki sans espace. Et normalement, il est censé me trouver des hashtags. Bon, bah pas pour cette fois-ci. Donc, je vais tenter teriyaki. Hop, juste. Et même pour TikTok, il y a des... ouais, voilà. Donc là, en fait, il me propose en automatique un certain nombre de... Donc il y a Delivery, Delicious, Barbecue, Japanese, Rice Ball. Moi, je vais pas prendre tout ça. Teriyaki Chicken, donc ça c'est bien. Hop, on va le nettoyer de toute façon. Parce que il y en a dont j'ai pas besoin. Hop, je vais prendre un petit notepad. Hop. Instafoot sur YouTube, ça sert à rien. Foot photographie, c'est pas mon truc. Ça, je m'en fiche. Footstagram, c'est pas mon truc. Il n'y a pas de saumon. Tempura, il n'y en a pas. Barbecue, Japanese, Rice Ball, Yumi. Teriyaki, Chicken, ça c'est bien. Hop là. J'en ai pas oublié, non, hop, je reprends, je vais dans YouTube Studio, je les envoie, hop, il est passé, ah, je sais pas s'il est passé, peut-être trop long, ouais, tac, trop long, donc on va revenir dans le notepad, et je vais faire ça. Tac. On va aller rechercher un autre morceau. Voilà. On peut faire la même chose pour les vidéos TikTok et Instagram. En fait, souvent quand je poste sur TikTok, ce que je fais, c'est que je le fais à partir de l'interface ici, en téléversement. Et comme ça, ça va plus vite. Elle a bien marché là. 705, celle que j'ai publiée ce matin. Je ne l'ai pas publiée à la bonne heure, mais elle a bien tourné. C'est pas mal pour un début sur TikTok. Hop, je reviens à mon YouTube Studio. Là, je suis bon, j'enregistre. J'ai mis dans mes playlists. Comme ça, les gens qui veulent regarder toute une playlist... qu'avec des plats ils peuvent, voilà, là j'ai l'image et là j'ai le lien de partage, donc le lien de partage on va le copier, ça je vais, donc là c'est bon, c'est enregistré, j'ai récupéré le lien de partage et on va la publier tout de suite je pense, ouais, parce qu'il est quelle heure là, 17h06, on va la publier maintenant, tac. Hop, le lien de partage, on va la passer en public, les abonnés à la chaîne YouTube, ils vont là, ceux qui ont les notifications, ils vont l'avoir en direct. Et comment je fais? Je vais faire je vais le faire sur mon téléphone et où je vais la publier là, tiens, on va faire le WhatsApp. On va faire le WhatsApp comme ça. Ce sera plus rapide. Hop, le groupe WhatsApp. Tac, je leur mets la vidéo. Voilà, tac, comme ça ils l'ont en direct, ils l'ont sur la chaîne YouTube. Ça c'est bon, je m'embête pas plus que ça. Ensuite, je mets mon groupe Cuisine Family là sur Facebook. Et là, allez, je leur mets un petit message. Un petit détour par l'Asie, just for you. On va mettre un hashtag confinement. Tac. Et derrière, je mets le lien de la vidéo. Facebook va le récupérer. Voilà, je vérifie.
Alors ça arrive avec Facebook souvent. Je vais vous montrer une astuce. Il y a un site en fait, quand on est sur Facebook, qui permet ici. Donc c'est pour les développeurs, enfin c'est pour accessible à tout le monde. En fait, on peut débugger ici en faisant debug, j'ai remis. Et si mon image n'était pas la bonne, s'il y avait eu un problème ou n'importe quoi, et ben ça me permet de voir ce que Google a vu. Et ici de venir d'en recollecter. Et en fait, en faisant recollecter, il va mettre à jour avec la dernière version. Donc, parce que en fait, Facebook fait une sauvegarde, par exemple, de l'image là, et elle n'est pas mise à jour. Je ne vais pas vous faire la démonstration maintenant, mais voilà. Allez. Donc voilà, c'est publié dans mon groupe, c'est publié partout. Si je voulais faire une programmation, j'ai juste à cliquer là et je le programme. Je le fais pendant la semaine, ça, quand je travaille. Voilà. Et ici, j'enlève le lien parce que ça sert à rien et ça fait pas beau.